versicherte ihr das Sternending. Es ist sehr wahrscheinlich, dass dein Onkel immer noch dort ist. Hast du das gehört? Das Sternending wirkte beängstigt. Ich habe in dieser Gegend schon für genug Unruhe gesorgt. Ich darf nicht mit dir gesehen werden. Tu dich später ein und sei bloß vorsichtig.
d'entendre dans la forêt. Elle se bat comme si elle s'était... Une petite troupe de lutins fit son apparition et encercla Quill. Je suis Vada, la prophétesse du marais, et tu es sur notre territoire. Elle jaugea Quill d'un regard plein de tristesse, puis tourna son attention vers le ciel. Je sens ta présence à toi aussi. Cela faisait longtemps que je n'avais pas ressenti la présence d'un lecteur. Un jeune guerrier s'avança. Prophétesse, je suis prêt à honorer la mémoire de notre grand champion. Rongeur, rends-nous notre relique. Quill s'avança. Où est mon oncle? Si vous lui avez fait du mal... Silence! Vada gronda. C'est ton oncle qui nous a appelés ici. Et maintenant, je comprends pourquoi. Mon enfant, malheureusement, la forêt regorge de dangers. Ton oncle a été emmené au château de tes ancêtres. Quill sentit ses jambes se dérober sous elle, alors que Vada continuait son récit. Argus s'est mis en grand danger en nous appelant. Jadis, ton oncle a fait le serment de protéger la relique de verre de votre roi. Il est le seul à savoir où elle se trouve, et cela fait longtemps que les Arcans cherchent à lui extorquer cette information. Et maintenant, te voilà qui ose traverser le marais avec notre relique. Sarfog va bientôt brûler toute la forêt pour vous réduire en pièces, toi et ton lecteur. À moins, bien sûr, que vous ne les trouviez avant. Prends ces cadeaux. Ces armes ont été fabriquées pour le champion légendaire qui est mort en protégeant ton peuple. Quill pouvait sentir son incroyable pouvoir la traverser. Tous les deux, retrouvez ton oncle avant qu'il ne soit trop tard. Le guerrier fulminait. Notre relique, entre ses mains! Prophétesse, enfin! Elle est minuscule! Allons, allons. Le lecteur a choisi son héros. Nous devons laisser leur histoire suivre son cours. Répondit Vada avec un ton qui indiquait la finalité de sa décision. Et elle disparut dans l'obscurité du marais. Thank you.
C'était l'histoire préférée de Quill. Comment Sir Argus s'était courageusement battu aux côtés du champion des lutins pour protéger le temple des Arcans, et comment ensemble, ils avaient ainsi assuré la survie de leurs espèces. Quill se sentait honoré de se tenir là où tout cela s'était produit.
Thank you.